C'est au petit matin que le Leila largue les amarres. Il passe alors devant le port de pêche où les fantômes de la crise sont amarrés. Je ne sais pas où est le problème, mais il y en a un de tous ces bateaux. C'est du gâchis tout ça, des millions perdus. La crise est passée par là, tuant un petit feu le secteur. D'ailleurs, pour Pahou, il faut assurer chaque jour la pêche, car pour un bonitier, les charges dépassent chaque semaine la barre de la centaine de milliers de francs. La situation pour les pêcheurs s'aggrave, il faut payer ceci, cela. Les charges augmentent et là, les actionnaires se retirent. Pourtant, des pêcheurs, il y en a, mais plus personne n'investit dans les bateaux. D'ailleurs, on n'en construit plus. Mais la crise et sa gestion, Pahou nous le dit, il laisse ça aux têtes pensantes de la Polynésie. Eux, leur souci, c'est de pêcher. Cap vers le large pour espérer trouver du poisson. Après une heure de navigation, des oiseaux et sur l'océan, le sillage d'une dorade. La course peut commencer. Avant, on ne pêchait pas le même hay avec les bonitiers. Mais aujourd'hui, je vais te dire, c'est comme si tu voyais de l'argent là, à la surface, et qu'il n'y a personne pour le ramasser. Alors, c'est de l'argent perdu. Mais attention, ce n'est pas de l'argent volé. Il nous faut aller en mer, quelles que soient les conditions. Ce n'est pas simple comme prendre sa voiture et rouler sur la route. Non, il faut affronter les creux. Et c'est ça qui me rend heureux. C'est ça notre vie, qu'il fasse beau ou non. Nous, on doit aller pêcher. C'est un bon jour pour l'équipage du Leila. En quelques heures, ils attraperont une dizaine de dorades. Avant de rentrer, Téti Aro à l'atoll de Marlon Brando leur sert de refuge pour une petite pause. Tu vois, nous, on passe la journée sous le soleil. On ne peut pas faire grève. Un pêcheur pour vivre, il faut qu'il aille en mer. Un avis que partagent d'autres pêcheurs restés à terre. C'est le plaisir. Avant, j'ai pêché avec eux aussi, hein? Oui. Mais maintenant, on ne peut plus. Tu sais, tout le monde aime ça, c'est pour ça qu'ils vont tout le temps. La vie pour eux, c'est la liberté, quoi. Il n'y a pas un patron. Et... Les captures du jour serviront à payer une partie des dépenses, en espérant qu'il reste assez pour le salaire de chacun.